C'est une mobilisation sans précédent. Une centaine de greffiers et de personnels de greffe débrayent pour dénoncer la revalorisation promise par le ministère de la Justice. 80 à 90% des greffiers sont en grève. C'est pas admissible que maintenant certains de nos personnels de greffe, leur indice aient été rattrapés par le SMIC. C'est-à-dire qu'ils avaient moins que le SMIC. Et comme c'est illégal d'être moins que le SMIC, on les a remontés au SMIC. Les greffiers nous ont proposé une grille salariale qui est indigne, qui nous fait perdre de l'ancienneté et qui finalement ne correspond pas. On est recruté à bac plus 2 théorique, on a tous un bac plus 4 ou un bac plus 5. On est garant de la procédure. Sans nous, aucune procédure ne peut se tenir et on nous propose des grilles salariales qui finalement ont perdu du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Ça ne compense même pas l'inflation. Les greffiers demandent aussi à passer en catégorie A. On a eu plusieurs corps qui avaient des responsabilités qui sont passés en A. On demande aussi ça pour nous, sans qui on ne peut pas tenir un procès. Encore une fois, aujourd'hui, ça en est l'exemple, on n'a pas pu tenir certains procès et certaines procédures. De son côté, le ministère de la Justice a décidé de convoquer une réunion sur les conditions de reclassement. Elle aura lieu ce mardi 4 juillet.